Bon, en fait, soit je joue First Strike et j'essaie une là, soit je joue Hollow Blade et j'ai pas ça une là, mais je peux pas me permettre de jouer sans précision en secondaire, je pense que c'est vraiment du gay. We play Nak, Nami, Lucian, mate. Level 2 damage. Oula! On a pas vu normalement. Ouais. Bon, on prend le W niveau 2, on dash in avec, avec Student Impact et ça part, hein. Quatre minutes, la cleanse c'est abusé, ça devrait être 2 minutes 30 au max. Non, je pense que 4 minutes cleanse c'est bien. Faut quand même des opportunités où tu peux abuser de la cleanse. On va chill. Ah, si tu proc first strike. Juste on veut le niveau 2. Faut faire que la wave soit pas trop push des deux côtés, mais. Ah, c'est parfait. D'avoir vraiment beaucoup plus de damage. Encore, mais je n'ai pas fait aucun. Une petite auto. Non. C'est fine, elle va me roll up. Elle l'a tapé lui. On va prendre le Q level 3. Tu non? Ah la auto, putain la auto en creep. Ah, je suis resté peut-être les dégâts de cette merde en fait. On a mis un flash. Putain, elle voulait pas utiliser. Ah, c'est de la merde, j'ai fait. Comment je peux avoir fait 25 de dégâts alors que c'est des true damage et je les proc deux fois? Ah non, ok, c'est de la merde, ok, j'ai capté. Putain, merde, ça fonctionne. Merde, quel con. Ah si, non, c'est ça? Dashing Basic Ability, attaque, des bonus, blablabla. After using a dash 6, c'est bon, ça marche. Comment ça peut faire 25 en fait? C'est bugué? Ou c'est 25 actuel et que j'ai pas de tracking en mode c'est mon dégât actuel et ok j'ai pas track en fait, j'ai pas le tracking de damage. C'est 25 actuellement mais... J'ai capté. Ça marche que sur une auto, oui, je sais bien. Mais en fait, avant, la rune, ça te traquait combien de dégâts t'avais effectué. Et là, maintenant, ça te montre combien de dégâts tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, 25, c'est le tout.
C'est les dégâts que je viens de mettre là, je viens de mettre 30. Ah, je sais pas, je pense que c'est un bug. Normalement je l'ai pas proc, mais je vois pas comment. En fait pour moi je l'ai proc niveau 2 quand j'ai Valkyrine et tout à l'heure quand j'ai Valkyrine. Je comprends pas comment ça a pas pu. On va heal up. Oh. On pousse ça vite, juste les mêlées. Played. CD était longuement augmenté aussi, hein. C'est 10 secondes de CD, frère. Cooldown 10 secondes. CD est court de baiser. Faudrait que je revoie, mais j'avoue, je comprends pas trop comment c'est possible. Mais tranquille, c'est pas grave. C'est fine. Prends double kill, j'ai double buff aussi. Play Nami, elle met des très, elle a mis des très bonnes bulles clutch la Nami là. Juste les mêlées entre guillemets, ouais parce qu'en fait il faut que la wave aille sous tour. Je hein. Les casters pour que ça aille sous tour. Les potions étaient pas au bon endroit. All good. We kill two of them to be four. Oh, il meurt au mid, Alix. C'est que ce boulot. On a des bons damage avec Serrated, je vais crash cette wave. On a bien joué, je me suis mis devant pour justement tanker le hook. Que j'avais une cleanse. Elle avait un peu pété son crâne là. Troll. Barrière, je vais crash. Au moins la mort de Nami nous donnera le kill sur Thresh là vu qu'elle est morte pour poser cette ward.
On va recall, on a collector, ça va être un très gros spike. Ah putain, c'est opportunity first, c'est pas grave. Collector c'est bien aussi en vrai. 4 kills quand même sur Kessa, c'est un peu chiant ça. Mon mid il joue comme un droïde. Je push. Ok, good job. C'est pour le Drake X-Tech, mon rêve. Là, je suis un peu partout sur la map. On va crash cette wave. Et on va recall, hein. Ouais, on est bien. Je pense que je vais aller finir par me poser mid. On a un peu de l'état, bot rang 2. En top. Ouais, mid lane vraiment. C'est une dinguerie comme il ne respecte absolument rien. Il meurt on CD sur les gangs. Ouais, j'ai joué avec la vision. On l'aura pas, je pense. Un peu trop. Un petit peu trop. Peut-être un poil panique sur mon flash. Je sais pas, j'aurais pu mieux jouer que ça, je pense. Je pense que j'ai quand même une ouverture où je la tue et elle meurt. Enfin, je survis, je veux dire. Oh, frère. Utilise ton flash. Oh, oh my god! Oh le juice! Le chase. Arrête, je lui ai dit utilise ton flash, je lui ai utilisé son flash hein, donc Nice, bien joué, top. Wow. Il est tellement en train de random la game, mais on est quand même bien, donc on peut win. C'est de hit un peu mid lane. La mandate, ouais. Fuck pour opportunité.
changement sur Corki, c'est quoi dans les grandes lignes? Globalement, maintenant il fait que des dégâts AD quasiment. Just please play safe, we have free win. S'il te plaît, arrête. TLDR, arrête de random. Donc on jure. En gros, Corki fait que des dégâts AD maintenant, et du coup, c'est pour ça que. Bon, c'est pas exactement ça, mais. Et c'est pour ça qu'il est build AD. Et il a plus le côté genre dégâts magiques. Nice. J'ai regardé une seconde le chat, je me suis fait go in par Sage, ça a failli partir en couille. Beaucoup de monde au top. Un jeu top lane, ça gagne, il manque un mec, c'est qui, c'est Skarner. Je équipe hein. Et je vois que ça je m'y attendais pas à la TP je crois. On avance sur IE, c'est qui, c'est Tristana qui a pris le shutdown. C'est les 1000 gold, j'ai pas réussi à clear toute la wave. Ah, on va perdre la terre du coup, chier. La mieux aurait pu stay là-haut, je pense. Je doute quel case ça. J'ai pas trop le bon scaling avec Corki parce que c'est extrêmement fort en early. Niveau scaling, je sais pas trop. Mais là, vu comment la game part, oui, je vais loot scale, je pense. Il manque Tristana que j'ai pas participé à son kill. Okay. Niveau mana on dirait c'est tendu un peu. Bah je joue sans aucune rune de mana, je joue avec Bloodline et Cut Down mais. J'ai la tête je prends en soft mana à la place de Bloodline. Là je suis vraiment aucune économie de mana. Hein. Ah oui c'est un peu limite. Encore ma cleanse. Il a autant de stuff que moi, Tristana. Je vais aller récupérer le bleu. Ça va faire attention.
C'est slow. Gonash, on a une TP Jace. Prendre cette petite plante là. Y'a pas de ward. Ouais, je pense que c'est de la merde en vrai, non? Y'a pas de dégâts en fait. J'aurais dû la Whisper, je pense. Enfin, j'aurais dû faire la Whisper 3. Tu joues vraiment aux limites? De quoi là, sur le move? Non, on ressort, je peux abuser là. Bon, il est mort. My bad, j'ai pas vu qu'il était mort derrière Brand. Ah, j'aurais dû tuer Thresh, j'ai mis une cleanse de merde parce que j'ai cleanse le vide. J'ai mal joué là. Il est mort comment Brand? Il se fait go par Sejuani Tristana j'imagine. J'ai pas vu, y'a pas eu de ping derrière, y'a rien eu frère, y'a aucune com. C'est trop triste, on est focus à fight en haut, y'a pas d'infos sur le... ce qui se passe bot side alors qu'il a le temps de faire tout son fight et de mourir. Hop. Après on va rien dire par rapport à Jace qui est en train de solo lose cette game, mais c'est quand même dommage. Vu comment il s'est fait arracher le cul, t'en perds le nage, ça fait chier. Ah, j'ai plus de sum. Cette bulle. On va push. Ok, bon, ça c'était big ce fight. GLDR qui va augmenter mes dégâts de manière gargantuesque. Je peux vendre ça et ça go RF c'est last. Hein. Et après, une fois full stuff, je vends opportunity pour BT. J'ai pas dessus mon corps. Tellement de stuff par contre. J'ai tué Tristana, il est tellement rundown à Dashin.
Bon ça, on gagne le fight quand même. Qu'est-ce qu'il fout? Merde, j'ai pété dans la voie. Au passage, y a pas de raid. On a RFC. Peut-être du BT en vrai à la place de RFC, ils ont quand même pas mal de front et qu'en vrai je passe pas trop de temps à taper là. Bref, ok. Même full item. Oh, il a mis un juste STF. C'est pour ça qu'il allait mourir avec le Riley. J'ai ma clan, j'ai mon flash. C'est fine, je meurs mais je flash normalement pour tuer. Normalement ça nous gagne la game, non? Ça troll, autant que la tour. Mon dieu. Ça nous gagne pas la game. Normalement le fait que je flash pour aller tuer Tristana est censé en théorie quand même nous faire win la game mais. Ah, c'est vraiment compliqué à carry. On va vendre ça, on va go BT. La létalité perd de la value en late game parce que les mecs ont de plus en plus d'armor. Je garde quand même collector pour le crit. Et après je ferai Zephyr. Derrière. Tu peux pas clean sa bombe de Tristana? Non, je peux pas. Continue à farm, on a encore les bots à build. Ah, j'ose pas trop Valkyrie, j'ai pas d'infos. C'est pas dramatique le Nash. C'est juste chiant parce que ça nous aurait mis vraiment bien mais. Les wards derrière. J'ai presque niveau 16, j'ai pas de flash. C'est un amide.
Allez, loser. Ça dégage. Je comprends pas comment Tristan... Ah, elle a fait rondouin et je... J'avais pas vu. Tu sais que je me suis dit, je l'ai auto-attaque. J'étais en mode, comment elle ne meurt pas? Vraiment, je me posais la question, comment elle ne meurt pas? Mais en fait, il a mis le rondouin. Je vois Nornami, elle a fait le boulot. Ok. Le chase n'était pas assez loin, non. Non, ceci explique cela. Oh, le classique, frère. On a plié le corki. Ok, il a mis le rondouin. C'est pour ça que je ne mettais aucun dégât. En fait, j'ai l'impression de ne pas lui mettre de coup critique, en fait. Ce qui était le cas, je pense, avec l'armor, les HP et le crit, comme si je mettais des autos qui ne critaient pas. Et j'étais en mode, je sais que je le mettais des autos, j'étais en mode, attends, mais je mets pas de coup critique là. Mais j'ai 100%. J'ai mis genre 4 auto-attaques, je crois. 3 ou 4. Et je sais pas si vous avez vu comment j'ai joué, mais à chaque fois je reculais en mode, bah il est mort. Et il ne mourait pas, donc bon. Nice. J'ai ce qu'il y a une set game en 2-13-8. Hein. J'honore personne en plus. Ce qu'il faut envoyer hein, quand même dans ces games. Encore Kinami, c'est pas mal. Ça, j'ai un peu run down leur lit, je m'attendais à plus de damage. Je vais juste recheck vite fait hein, les procs de runes, je comprends pas. J'avais pas de Jace quand tu as dit, mais c'était juste une bad game. En fait, il a pas été toxique, il jouait juste super mal la